Bonjour à tous, chers internautes. Je suis très heureuse de vous accueillir aujourd'hui à la Cancy Paris. Notre thème de ce matin est « C'est l'heure ». Nous serons avec notre ami, le pasteur Josué Samuel Domingos, et nous allons passer des temps excellents dans la présence de Dieu. Alors dites-nous à présent d'où vous nous suivez, de quel pays, quel continent, quelle ville, et envoyez-nous un message au numéro qui s'affiche ici pour que nous sachions que vous êtes avec nous, que vous êtes présents et que nous puissions entrer en contact avec vous. Que Dieu vous bénisse et bon culte. Avant d'écouter la parole de Dieu avec le pasteur Josué Domingos, visionnons ensemble quelques témoignages de nos frères et sœurs qui attestent de l'intervention divine de Dieu dans leur vie suite à nos 72 heures de prière intensive, le miracle que tu n'attendais plus. Seigneur, pour ce qu'il a fait dans ma vie et pour ce qu'il continue de faire, en février, pendant une semaine du lundi jusqu'au vendredi, je me sentais bien, mais j'avais un mal de tête, en fait, qui me... comme de l'électricité, mais je me disais, bon, c'est rien de grave, vous savez, moi, tant que je fonctionne, tout va bien. Sauf que le samedi matin, je me réveille aussi, tout va bien. Et là, après une sortie, je rentre, ma vie bascule, parce que je me sens vraiment pas bien, mais je me dis, bah, je vais quand même aller à l'hôpital, sous conseil de mes amis, parce que je suis très têtue. Ils m'ont dit non, mais là, tu ne peux pas rester comme ça, il faut que tu ailles à l'hôpital. Donc, je me rends toute seule. Au début, je prends ma voiture, mais je ne me sens pas bien. Donc, du coup, je referme la portière et je prends le train. Je me rends dans un premier hôpital. On me dit, pour ce que vous avez juste mal à la tête, mais on n'a pas de neurologue. Il faut vous rendre dans un autre hôpital. Je reprends le train dans l'autre sens et je marche. Et en allant dans cet hôpital, je sens mon corps devenir très lourd, mais pour moi, je me dis, j'ai pas mangé ce matin, forcément, c'est peut-être ça, j'ai peut-être une fringale, mais ça va aller. Je fais la queue comme tout le monde. Et en arrivant à mon tour, j'explique à la dame ce que j'ai. Et au lieu de me dire ce que j'avais, elle se met à paniquer. Et elle ouvre des boutons, je vois des portes s'ouvrir, un brancard arriver, je comprends pas. Et en fait, la seule phrase qu'elle a répétée, il faut absolument la prendre en charge, elle est jeune. Mais je comprenais pas quel est le rapport entre le mot tête et elle est jeune. Et quand je rentre là-bas, on me met sur le brancard, on prend ma tension est à 17. Et à ce moment-là, on m'annonce, on me dit, oui, mais vous êtes en train de faire un début d'AVC, en fait. Et dans la nuit, on m'a transféré chez les spécialistes de la tête à Paris, et on m'a confirmé que j'avais un TNF, c'est un trouble neurologique fonctionnel. En fait, c'est le début d'AVC, mais avant que ça devienne un AVC, il faut que ça arrive jusqu'à la tête. Et moi, en fait, l'électricité que je ressentais, c'est parce que ça cherchait l'espace pour passer, mais ça n'est pas arrivé, donc du coup, ça a fait un retour, et ça m'a paralysée du côté droit. Je suis gauchère, donc déjà, le diable, il est nul, parce qu'il s'est trompé de côté. Il s'est trompé de côté, il aurait dû prendre le côté gauche. Donc, en gardant mon côté gauche, j'ai continué à fonctionner, à 50%, mais j'ai continué à fonctionner. On m'a proposé de mettre des taxis en place, des choses comme ça, et tout, moi j'aurais dit non, non, non. Parce que ça, sinon, ça va vraiment me conforter que je suis malade. Et à la sortie, on m'a proposé un déambulateur. Est-ce que vous savez c'est quoi un déambulateur? Quand j'ai vu ça, j'ai dit, non, mais là, vous rigolez. C'est pas possible. Passez-moi des béquilles, je vais me débrouiller avec. J'ai suivi des cours des kinés, suivi psychologique ou autre. Je suis en rémission. Ils m'ont donné un an pour remarcher. Un an pour fonctionner mon bras. Je pense que le dimanche, vous me voyez danser la bobo. Donc je suis guérie et toujours suivie. My name is la gloire de Dieu. Gloire à Dieu. Que Dieu soit béni. Alléluia. Elle, ce témoignage vivant. Bien aimé, quelqu'un qui a fait AVC, maintenant elle marche très bien. Dieu, il est Dieu. Quand tu sers Dieu, Dieu ne te laisse pas. Et il va faire la honte au diable. Nous allons passer avec notre sœur Andrea. Alléluia. Gloire. Alors, pour ma part, ça concerne mes études. Pour ceux qui ne savent pas, j'ai comme projet professionnel d'être sage-femme. Et pour faire ça, il faut effectuer une année commune aux études de santé. Au cours de laquelle, en fait, il y a un classement qui est fait. Donc, j'ai effectué cette année-là après avoir passé mon bac, donc il y a 5 ans. Et j'ai été trop mal classée, donc je n'ai pas pu passer.
Donc j'ai fait des petits détours, etc., etc. Et du coup, cette année, je suis arrivée à une année où j'avais la possibilité de candidater de nouveau. J'ai candidaté et donc suite aux examens écrits, etc., ils ont refait un nouveau classement. J'ai été de nouveau trop mal classée, mais j'ai eu la grâce de pouvoir passer à l'oral alors que d'autres non. Je suis allée à l'oral, pour précision, il y avait seulement 2 places pour être sage-femme pour plus de peut-être 60 élèves, 70 élèves. La première place a été prise. La seconde place, donc je suis passée à l'oral pour pouvoir avoir cette place-là, je ne l'ai toujours pas eue. Donc c'était fini pour moi. Pour ces études-là, il y a 2 possibilités. Donc j'ai utilisé ma première possibilité après mon bac. Et la deuxième, cette année-là, donc c'était mort. J'ai essayé de voir avec les dames, elles m'ont dit non, c'est fini, il n'y a plus de chance, désolée pour vous, etc. Donc bah, j'ai laissé tomber, je me suis dit je vais réfléchir à autre chose, ce que je vais faire. Enfin, le Seigneur me guidera. Et une semaine et demie après, je reçois un appel de la fac de Créteil. Oui, madame Antoine Voisio, oui, c'est moi. On vous appelle pour vous dire qu'il y a une place de sage-femme qui s'est libérée. Est-ce que vous la voulez ou pas? J'ai accepté et voilà, j'ai eu ma place pour mes études de sage-femme. Gloire à Dieu, alléluia. Alléluia. Dieu peut ouvrir les portes là où il était fermé. Dieu peut ouvrir des portes là où il était fermé. Parce que quand tu sers Dieu, Dieu ne te laisse pas. Nous servons un grand Dieu. Un Dieu puissant. Alléluia. Lèvons-nous, nous allons adorer Dieu. Nous allons passer à la parole de Dieu. On va chanter tous ensemble. Seul, je ne peux rien. Ensemble. Avec toi. Avec toi, je ne crains rien. Je suis guidé. Je suis guidé par ta voix qui me connaît. Toute ma vie. Toute ma vie est entre tes mains. Encore, seul. Seul, je ne peux rien. Avec toi. Avec toi, je ne crains rien. Je suis guidé. Je suis guidé par ta voix qui me connaît. Toute ma vie. Toute ma vie est entre tes mains. Merci Jésus, alléluia. Oh, 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 ensemble. Seigneur, après tous ces témoignages, nous voulons crier haut et fort que nous croyons au miracle. Amen. Nous croyons que le temps du miracle n'est pas passé. Et nous croyons que ce matin, tu es capable de donner un miracle encore à quelqu'un. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Avant de t'asseoir, dis à 3 personnes, crois au miracle, crois au miracle. Tu peux t'asseoir dans la présence de Dieu. Est-ce que tu peux toucher ton cœur toi-même et tu dis, crois au miracle. Dis encore une fois, crois au miracle. Avec tous les témoignages qu'on a écoutés, je crois qu'il n'y a plus de doute. Comme notre pasteur disait tout de suite, tu ne peux pas ne pas croire quand tu entends des choses comme ça. C'est divin. Et nous croyons que Dieu va se manifester encore ce matin. On va avancer, on va gagner du temps. Ce matin, j'ai une courte pensée avant que nous puissions adorer Dieu. Et cette pensée s'intitule « C'est l'heure ». Dis à ton voisin « C'est l'heure ». Dis à l'autre « C'est l'heure ». Dis à l'autre « C'est l'heure ». Dis à celui de derrière « C'est l'heure ». À celui de devant « C'est l'heure ». Crie avec moi-même « C'est l'heure ». C'est l'heure de quoi? Ce matin, je veux déclarer « C'est l'heure de ton miracle ». C'est l'heure de ta visitation. C'est l'heure du jour où ta vie change, où ta vie prend une nouvelle tournure. Si tu le crois, dis avec moi, gloire à Dieu. Si tu le crois, dis avec moi, Hosanna. Si tu le crois, dis avec moi, yes.
ce que j'aime avec l'heure et le temps, c'est que quand c'est l'heure, on a l'habitude souvent de mettre notre réveil pour être à l'heure. Est-ce que quelqu'un me suit? On met notre réveil pour être à l'heure parce qu'on a un rendez-vous, on doit aller au travail, on a une activité importante à faire. Est-ce que quelqu'un me suit? Et Dieu ce matin est venu remettre quelqu'un à l'heure. Je disais, Dieu ce matin est venu remettre quelqu'un à l'heure. On va lire ensemble Genèse chapitre 12, le verset 2 et 3. On va se lever pour lire la parole du Seigneur. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Verset 3, je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Est-ce qu'on peut reprendre le troisième? 1, 2, 3. On peut s'asseoir dans la présence de Dieu. Courte pensée rapidement avant que nous puissions adorer Dieu et entrer dans une forte atmosphère avec le Saint-Esprit. Je voulais partager avec nous cette courte pensée. Elle est importante et je demande vraiment, je vais parler 10 minutes, mais je demande toute ton attention et toute ta concentration. C'est l'heure. C'est l'heure. Nous sommes au mois de juillet. Nous avons déjà passé la moitié de l'année et je pense qu'il nous reste 5 mois avant que nous puissions fêter le nouvel an. J'ai vraiment l'impression, moi, je ne sais pas vous, mais que les années passent extrêmement vite. Alors, j'aimerais dire à quelqu'un, c'est l'heure et c'est le moment que tu réalises qu'il reste 5 mois et que tu n'as sûrement pas vécu ce que tu avais écrit dans ton cahier au mois de décembre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je veux dire à quelqu'un, c'est l'heure et tu n'as sûrement pas encore commencé à palper ce que tu voulais ou la totalité. Je ne crois pas que notre Dieu aime faire les choses à moitié. Je ne crois pas que notre Dieu voulait seulement te donner une chose que tu as prévue. Je crois que tout ce que tu avais prévu cette année, tout ce que tu voulais faire cette année, tout ce que tu voulais voir cette année, en 5 mois, il est capable de te le donner. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Je dis, en 5 mois, le Seigneur est capable de totaliser tout ce que tu avais prévu. Je prie un Dieu qui ne fait pas les choses à moitié. Je prie un Dieu qui ne fait pas les choses, il ne fait pas 2/10, il ne fait pas 3/10. Dieu est capable, en 5 mois, de réaliser tout ce que tu voulais au début de l'année. Est-ce que quelqu'un peut me dire gloire à Dieu? Alors, cette pensée, elle est pour nous faire réaliser qu'il nous reste 5 mois, mais que tu dois aussi passer à l'action. Nous avons dit au mois de mai que ça finira en louange. Est-ce qu'on peut le dire ensemble? Mais je suis venu dire à quelqu'un ce matin, il y a des choses qui finiront en louange parce que Dieu te les a promis, mais il y a des choses qui finiront en louange parce que tu as agi. Oh, est-ce que quelqu'un a loupé? Je dis, il y a des choses qui finiront en louange parce que Dieu te les a promis. Mais il y a des choses qui finiront en louange parce que tu as agi. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin que les 5 mois qui restent sont des mois d'action. Pendant 3 mois, on nous a martelé sur la foi, la foi, la foi, la foi. Et lorsque le prophète est venu, il nous a dit directement que vous ne pouvez pas voir si vous ne faites pas. Vous ne pouvez rien voir si vous ne faites pas. Ces 5 mois qui restent sont des mois d'action. Est-ce que tu peux dire avec moi, je passe à l'action? Dis-le mieux à ton voisin, je passe à l'action. Et passer à l'action ici, ce n'est pas passer à l'action sur l'imaginaire. Passer à l'action, c'est passer à l'action sur ce que Dieu m'a promis. Sur ce que Dieu m'a dit. On ne passe pas à l'action sur nos désirs personnels. On passe à l'action sur une parole que Dieu nous a donnée. Est-ce que quelqu'un comprend? Et nous avons lu, est-ce qu'on peut remettre le texte s'il vous plaît? Nous avons lu Genèse chapitre 12, le verset 2 et 3. Et j'ai aimé en méditant ce texte, est-ce qu'on peut mettre le troisième verset? Au deuxième verset, on dit, Abraham partit et Dieu lui dit, je ferai de toi, je te bénirai. Et ici, on dit quelque chose. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Je fais une parenthèse en disant que ceux qui t'ont maudit sont eux-mêmes maudits au nom de Jésus. Mais là, il y a quelque chose qui m'a choqué avec Sarah. Papa Alfred, il y a quelque chose qui m'a troublé. La Bible dit, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Wow. Ok, pasteur Josué, il y a une équation ici. Il y a quelque chose d'important. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi.
Est-ce que je peux expliquer ce texte simplement? Ça veut dire que si Abraham ne part pas, toutes les familles de la terre sont maudites. C'est ça le vrai sens du texte. Si Abraham ne quitte pas, toutes les familles de la terre sont maudites. Je suis venu motiver quelqu'un en lui disant, ce que Dieu t'a demandé de faire, ne t'engage pas toi. En fait, ce que Dieu t'a demandé d'accomplir cette semaine, c'est pour bénir des gens qui sont derrière toi. Oh mon Dieu, est-ce que je peux commencer à prêcher? Tu ne vas pas réaliser ce que tu dois réaliser parce que c'est ton besoin personnel. Il y a un plan de Dieu derrière ça et Dieu veut bénir des personnes derrière ça. Si Abraham ne quitte pas, nous sommes tous maudits. Est-ce que je peux l'expliquer de manière plus simple? Si le prophète Domingos ne répond pas à l'appel, nous ne sommes pas là aujourd'hui. Si notre apôtre, l'apôtre Élie David ne répond pas à l'appel, nous ne sommes pas là aujourd'hui. S'il ne répond pas à l'appel, la cantine n'existe pas. Et toi, tu n'as pas de valeur. Et toi, tu n'as pas de direction. Je suis en train de dire à quelqu'un, Dieu veut t'utiliser parce qu'il y a des gens derrière toi qu'il veut toucher. Ce que Dieu t'a demandé d'accomplir cette année ne t'engage pas que toi. Ça engage un peuple derrière toi. Tout ce que Dieu nous demande d'accomplir, c'est parce qu'il veut toucher quelqu'un derrière. Je suis venu te dire ce matin, recommence à rêver. Quelqu'un ne comprend pas. Je dis, recommence. Ce projet que tu as dit en 5 mois, c'est pas possible. Je dis ce matin, Dieu est venu te dire, c'est l'heure. C'est l'heure, c'est l'heure, c'est l'heure. C'est l'heure de l'accomplir. C'est l'heure de le réaliser. C'est l'heure, c'est l'heure, c'est l'heure de le faire. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Mais la parole qui résonnait dans mon esprit, et c'est sur ça qu'on va prier, et je sens que Dieu va faire quelque chose ce matin, c'est l'heure d'entrer dans le plan de Dieu. Alléluia. Aïe, 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 aïe. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi le plan de Dieu? Écoutez, parfois c'est l'heure d'aller au travail. Parfois c'est l'heure d'aller. Oh, je sens la présence de Dieu. Parfois c'est l'heure d'aller au travail, parfois c'est l'heure de s'occuper de nous et parfois c'est l'heure de donner un sens pour le pourquoi nous sommes nés, frère. Il reste 5 mois pour que tu puisses donner un sens à ta vie. Selon quoi? Selon le plan de Dieu. Dis avec moi, Dieu a un plan pour moi. Je suis venu te rappeler ce matin que tu n'es pas sur terre au hasard. Tu n'es pas sur terre au hasard. Tu n'es pas sur terre pour rien. Il y a un plan de Dieu sur ta vie. Il y a quelque chose de Dieu sur ta vie. Abraham, quitte. Parce que en toi, je bénirai. On a eu une liste de miracles. Et je pense que je suis heureux pour les personnes qui ont eu leurs miracles. Mais ce matin, et les 5 derniers mois de cette année, je désire devenir une source où les gens vont venir prendre leur miracle. Est-ce que vous savez que jusqu'à la fin des Écritures, Abraham reste dans l'histoire? Parce qu'il ne s'est pas arrêté à recevoir. C'est devenu un donneur, un donateur. Quelqu'un qui donne. Par Abraham, nous sommes bénis. Je n'ai pas dit par Jésus, nous sommes bénis. Je n'ai pas dit par le Saint-Esprit, nous sommes bénis. Il dit par Abraham, par un homme qui a répondu à l'appel, nous sommes bénis. Il est possible que tu répondes à l'appel et que tu bénisses la terre entière. Il est possible que tu répondes à l'appel et que Dieu touche ta génération. Il est possible que tu répondes à l'appel et que Dieu bouge avec toi, change les choses. Est-ce que ce matin, quelqu'un peut dire c'est l'heure? Mais c'est l'heure d'accomplir le plan de Dieu. Il y a un plan sur ma vie. Je ne sais pas pour vous, mais moi, je crois qu'il y a un plan sur ma vie. Je ne suis pas seulement là à venir à l'église. Dans le monde, on dit métro, boulot, dodo. Mais nous, c'est église, métro, boulot, dodo. Église, métro, boulot, dodo. Je ne crois pas que ma vie se résume seulement à ces 4 activités. Il y a un plan divin sur ma vie. Dis avec moi, il y a un plan. Dis avec moi, il y a un plan. Abraham! Si tu ne quittes pas, la bénédiction ne viendra pas. Et ce qui me choque, je ne sais pas si nous réalisons, c'est que toutes les familles de la terre. En fait, ce n'est pas que Israël qui est béni en Abraham. Même nous, nous sommes bénis en Abraham. Mais Abraham a juste fait quoi? Il a quitté.
Oh my God, il a obéi. Est-ce que pendant ces 5 derniers mois, tu peux dire, j'ai vu que papa a commencé ça, jeudi, il disait, est-ce que pendant ces 5 derniers mois, tu peux laisser ton plan et entrer dans le plan de Dieu? Si je n'entre pas... Est-ce que vous savez que Noé a construit une arche sur une voie qu'il a entendue? Le seul endroit où le lion n'a pas faim de manger la chèvre, c'est dans l'arche. Quelqu'un n'a pas compris. Le seul endroit où le serpent ne mange pas les insectes, c'est dans l'arche. Le seul endroit où le lion n'est plus affamé, c'est dans l'arche. Il est possible que ta vision ne soit... Ta vision ne ressemble pas à ce que les autres font. Ta vision ne ressemble pas à ce que les autres comprennent. Mais ce n'est pas parce qu'ils ne le comprennent pas que ça ne vient pas de Dieu. Ce n'est pas parce qu'ils ne l'assimilent pas que ça ne vient pas de Dieu. Noé construit une arche où les animaux n'ont plus faim. Des carnivores. Quelqu'un me dit avance. Alors, Abraham, quitte. Et si tu ne quittes pas, les familles de la terre seront maudites. Ce matin, je prêche pour moi aussi. Pasteur José, il est temps d'entrer dans le plan de Dieu. Parfois, nous sommes actifs, mais nous ne sommes pas dans le plan de Dieu. Il y a une différence entre être actif et être dans le plan de Dieu. On peut faire beaucoup de choses, mais être loin de Dieu. On peut faire une chose et faire ce que Dieu veut. Voilà pourquoi j'encourage quelqu'un, ne sois pas intimidé par ces personnes que tu vois sur les réseaux sociaux qui affichent leur soi-disant réussite, parce que l'activisme n'est pas l'appel. Il y a des personnes, elles voient les gens sur les réseaux, elle est complexée. Pourquoi? Qui te dit qu'elle fait le pourquoi Dieu l'a mis sur terre? Qui te dit? Il y a des personnes, tu ne les vois pas, mais elle est fortement en train de plaire au cœur de Dieu, frère. Je dis, elle est fortement en train de plaire au cœur de Dieu. J'étais en Suisse cette semaine pour rendre ministère et j'étais avec quelqu'un. Dès qu'il m'a vu, il veut faire des photos. Après, il y a quelqu'un qui lui dit, oh, tu sais que lui, il a 20K sur Instagram, c'est quelqu'un. Mais qui vous a dit qu'on est quelqu'un à cause des cas? On commence à réduire l'appel de Dieu à la façade. Ça veut dire que si je réussis, tu peux réussir en silence. Je fais une parenthèse en disant, ce n'est pas parce que tu n'as pas témoigné que tu n'as pas eu de miracle. Ok, je vais le dire autrement. Ce n'est pas parce que tu ne t'es pas affiché que Dieu n'a pas agi. Sois fier que de ce que Dieu fait dans ta vie, mon frère. La Bible dit, la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Dois-je te rappeler que tu es un Dieu? Parfois, cacher les choses, c'est la gloire. Mais témoigne quand même. Témoigne quand même. Ok. 5 mois pour accomplir le plan de Dieu. Et pendant que je préparais cette pensée, le Seigneur m'a donné 3 catégories de personnes sur lesquelles je pense que nous allons prier. La première catégorie de personnes, c'est les David. Dis avec moi David. David. Tout le monde veut être David. Dis avec moi David. David. Les gens aiment David. Quand il se convertit, il change, il rajoute dans son nom. S'il s'appelait Eric Garcia, il rajoute maintenant Eric David Garcia, l'homme selon le cœur de Dieu. Il y en a qui mettent jamais Joseph, celui qu'on a vendu. Job, je ne vois pas. C'est là David. Et cette catégorie de personnes, c'est les personnes que Dieu a cachées. Et maintenant, il veut les faire sortir. Je dis, Dieu t'a caché. Je n'ai pas dit, tu t'es caché. Ceux qui se cachent, on va en parler tout à l'heure, ils ont annoncé. Mais Dieu t'a caché. Comme moi, je dis, Dieu, moi, Dieu m'avait caché. Oh, Dieu m'avait caché. Oh, personne ne pouvait s'imaginer que Pasteur José chante. Moi, Dieu m'avait caché. Je dis, si j'étais sorti avant, peut-être je ne serais pas ce que je suis.
Dieu m'a caché. Et dans cette cachette, il m'a donné un apôtre qui m'écrasait, qui me martelait, qui me formait, qui m'insultait dans la cachette. Il est possible que tu sois dans ta cachette et que tu te dis, oh, le pasteur est trop dur avec moi. Il est possible que tu sois dans ta cachette et que tu te dis, c'est trop dur, Seigneur, je n'y arriverai pas. Cette formation est trop dure. Mais la cachette est pour rencontrer Goliath. Quand on est caché, c'est parce qu'il y a un Goliath devant. Dis avec moi, David. Est-ce que vous savez que David était déjà un homme d'exploit avant Goliath? En fait, David avait vécu des choses plus dangereuses que Goliath. Toi, tu t'es déjà battu avec un ours. Un lion. On dit David déchirait l'ours et le lion. En fait, pour David, Goliath, c'était... Allez, je vais réciter un peu la parole pour leur donner la foi, mais moi, je sais. David était sûr de sa victoire face à Goliath à cause de ce qui s'est passé dans la cachette. Je ne sais pas, à un David à qui je parle ce matin, tu as l'impression que Dieu t'a caché. Oh mon Dieu. Tu as l'impression que Dieu t'a caché et que ça devient tellement dur. Tu as l'impression que ça dure 20 ans, 30 ans, 20 ans de formation, 25 ans de formation. Quand Dieu nous forme longtemps, c'est que notre victoire sera rapide. Je dis, quand Dieu nous forme longtemps, c'est pour que nos exploits soient rapides. David, je le décrète et déclare ce matin. David, sors de ta cachette. Que Dieu te fasse sortir. Il reste 5 mois. Je prie du fond de mon cœur que Dieu te fasse sortir. Est-ce que quelqu'un peut me dire gloire à Dieu? La deuxième catégorie de personnes, c'est les Gédéons. Dis avec moi les Gédéons. Donc pendant que je parle, tu te mets déjà dans une catégorie parce qu'on va prier. Moi, je suis plutôt David. Moi, je te mets déjà. Les Gédéons, c'est les personnes qui se cachent. Ce n'est pas Dieu. Elles se cachent parce qu'elles ne se sentent pas capables. Aïe. Oh mon Dieu, je sens qu'il y a beaucoup de Gédéons. Elles se cachent parce qu'elles ne se sentent pas. Elles se disent, Seigneur, les autres sont mieux que moi. Seigneur, prends quelqu'un d'autre et laisse-moi faire mon chemin. Seigneur, allez, prends pasteur JSD, il est déjà bien. Ou qui se disent, Seigneur, ce que tu fais avec eux, tu ne peux pas le faire avec moi. Je dis à quelqu'un ce matin, il y a un Dieu pour chaque homme. Je répète, il y a un Dieu pour chaque homme. Le Dieu qui a fait avec David, c'est le même Dieu qui fera avec Gédéon. Je ne suis pas capable, je suis incapable. Non, je ne peux pas. Ce matin, Dieu est venu te dire, tu peux. Tu peux le faire. Tu peux le faire. Moïse aussi disait, Seigneur, je ne sais pas parler, je bégaye. Mais ce n'est pas parce que tu bégayes que tu ne peux pas frapper l'Égypte des plaies. Ce n'est pas parce que tu bégayes que tu ne peux pas ouvrir la mer rouge. Parfois, tu dis au Seigneur, je bégaye, mais ce n'est pas ta bouche qui veut utiliser. Oh, quelqu'un n'a pas compris. Toi, tu dis à Dieu, je bégaye, mais lui, il te dit, frappe le bâton. Est-ce que c'est ta bouche dont il a besoin ou tes mains? Ton incapacité, tu l'as choisie mal. Tu vises mal. Tu dis, Seigneur, je n'ai pas un assez grand cœur. Dieu te dit, tu as assez d'onction. Tu dis, Seigneur, je n'ai pas, qu'est-ce que tu n'as pas? Assez d'argent, surtout ça. Je n'ai pas assez d'argent. Seigneur, moi, tu me dis de donner pour la salle, je mets 10 euros d'essence. Comment je me fais? Seigneur, comment je vais faire? Je n'ai pas payé mon loyer. Tu vises mal. Ton incapacité ne se trouve pas là. Et la Bible dit que le faible dit ce que je suis. Parfois, on devient capable en disant qu'on est capable. Est-ce que tu peux dire avec moi, je suis capable? Dis-le mieux, je suis capable. Oh, dis encore mieux, je suis capable. On ne devient pas capable parce que notre incapacité a disparu. On devient capable parce qu'on croit qu'on est capable.
avant, je venais toujours voir le prophète et je lui disais, papa, moi je ne peux pas faire ça parce que je n'ai pas ça, je n'ai pas le même parcours que les autres. Il me disait, ton problème, c'est que tu veux travailler ce que tu n'as pas. Développe ce que tu as. Cette société-là, c'est là que Dieu veut se glorifier. Ce petit truc-là, tu te dis, mais ça peut rien faire. C'est là que Dieu veut se glorifier. Est-ce que vous connaissez cette histoire de la Bible où Jésus a 5 pains et 2 poissons? La Bible dit, il rendit grâce et il a nourri 6 000 hommes. Comment vous pensez que 5 pains et 2 poissons peuvent nourrir toutes ces personnes? Parfois, dans ce que tu vois, il n'y a rien. Mais dedans, il y a un potentiel. Gédéon. David ou Gédéon. Et la troisième catégorie de personnes, c'est Moïse. Dis avec moi Moïse. Dis avec moi Moïse. Moïse, c'est celui qui a tué un Égyptien et qui vient dire à Dieu qu'il bégaye alors qu'il culpabilise à cause de l'Égyptien qu'il a tué. Moïse, c'est celui qui culpabilise. Je ne suis pas éligible au miracle parce que j'ai fait ça. Je vais te dire une bonne chose. Dieu te donne parce qu'il t'aime. Si Dieu devait regarder nos péchés, il ne donnerait à personne. Est-ce que quelqu'un me suit? Si Dieu regardait à notre comportement, il ne donnerait à... Dieu donne parce qu'il aime. J'aime quand l'apôtre dit ça. Dieu me donne, moi je redistribue. Dieu sait ça. Il a, il redistribue. Il ne regarde pas à ton CV. Je ne sais pas quel a été ton parcours cette année, mais tu es éligible au miracle. Tu es candidat au miracle. Personne ne peut t'arrêter jusqu'à cette fin d'année. Avec les enseignements que nous avons reçus, les hommes de Dieu que nous avons reçus, tu es inarrêtable. Mais dans quelle catégorie tu te mets? Enlève ce poids, cette culpabilité qui te fait dire que moi, quand je prie, Dieu ne me voit pas. Je te dis, Dieu te voit. Ce matin, je suis venu dire à quelqu'un, Dieu te voit. Dieu te voit. Moïse vient devant Dieu. Seigneur, 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 moi, je ne sais pas parler. Or qu'il vit dans la culpabilité. Il se dit, la dernière fois que j'ai essayé de répondre à l'appel, j'ai tué quelqu'un. Est-ce que je vais retourner ou pas? Je suis venu te dire ce matin, réponds. Réponds au plan de Dieu. Est-ce que quelqu'un croit qu'il y a un plan de Dieu sur sa vie? Je vais voir ta main très haut. Est-ce que tu le crois? Il te reste 5 mois. Il te reste 5 mois. Redémarre ces 5 derniers mois en te disant, je dois vivre quelque chose. Parfois, c'est même pas un rêve ou quelque chose. Parfois, c'est juste spirituellement. On arrive au mois de juillet, on se dit, oh, que faire des efforts? De toutes les manières, depuis le début de l'année, j'en fais et je ne vois rien. La Bible dit, il a tort celui qui baisse les mains dans la prière. La Bible dit, priez sans cesse. Ne t'arrête pas. Ça ne bouge pas, mais tu pries. Tu ne vois pas, mais tu pries. Je sens la présence de Dieu. La montagne est là, mais tu parles. Je partageais avec un frère cette semaine, je lui dis, qui vivait une situation difficile, et je lui disais, vous savez ce qui est parfois dommage, c'est que ça fait juste 2 mois qu'on a eu la masterclass, et quand on s'entend parler, on se dit, oh mon Dieu, j'ai tout déjà oublié. La première chose que tu dis, ça ne va pas. Pourtant, on nous a appris ici, le monde est rempli de... Et c'est plus simple à dire que ça ne va pas. Mais la première chose... Oh, qu'est-ce que... Moi, papa le frère, je me suis dit, mais qu'est-ce que je parle mal en ce moment? C'est pas possible. Toi-même, en plus, tu parles de toi. C'est pas où tu parles de... Tu parles de toi, mais négativement. Tous les jours. Non, mais je vais pas y arriver. Oh là là. Vous savez, dans des choses simples, hein. Oh, mais moi, je suis vraiment un paresseux, un fainéant. Non, tu aimes travailler. On a tout oublié. Non, mais Seigneur, je n'ai pas la somme qu'il faut. C'est pas... Le monde
est rempli. Je me réjouis. Il y en a déjà qui ne se réjouissent plus. Tout est flou. Aïe, 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 Seigneur. Comment tu parles? Il y a une prière que je fais chaque matin. Enfin, ce n'est pas une prière, c'est des paroles. Je récite tout ce qu'on nous a donné. Après, je dis, Seigneur, le concert du 10 décembre est rempli. Il se joue à guichet fermé. Chaque jour, tu envoies des personnes de bonne volonté qui achètent leur ticket. Amen. Mais je ne peux pas commencer à dire moi-même, ah là là, ça part pas là. Aïe, 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 faut des stratégies. Pasteur, évêque Sarah, il faut qu'on trouve un moyen de convaincre. C'est Dieu qui convainc, frère. Je dis, c'est Dieu, parfois mets tes genoux à terre, crois au Dieu du ciel. Notre problème, c'est que parfois, on ne croit pas aux réalités spirituelles. On croit aux réalités humaines. Quand on nous prêche, on se dit, non, mais c'est humain, ça. C'est trop léger. Frère, les réalités spirituelles existent. La Bible, oh mon Dieu, je sens la gloire. La Bible dit, j'appelle à l'existence ceux qui n'existent pas. Il est possible que tu appelles les partenaires qui n'existent pas. Il est possible que tu appelles la guérison qui n'existe pas. Il est possible que tu appelles cette société qui n'existe pas. Dis avec moi, elle n'existe pas, mais tu crois. Dis mieux, elle n'existe pas, mais j'y crois. Quelqu'un m'a dit, Seigneur, pasteur, ça humainement, pour le concert, c'est pas trop possible. J'ai dit, je ne suis pas un humain. Je suis un esprit. Je ne dépends pas des réalités humaines, moi. Va avec tes réalités humaines. Et tu verras comment avec leurs réalités humaines, ils ont échoué. Moi, je crois aux réalités divines. Celui qui a donné des enfants stériles à une stérile comme ma mère peut faire des choses étonnantes. Tu es trop dans la réalité. Il reste 5 mois. C'est les mois d'une extrême spiritualité. Il n'y a que les hommes spirituels qui pourront vaincre. Est-ce que tu veux redémarrer spirituellement? On avait fait une veillée avec les jeunes, on avait dit plus vite, plus loin. Il est possible que tu ailles plus vite, plus loin. Mais est-ce que tu crois encore? Est-ce que tu crois encore? Ou tu te dis, bon, il avait dit ça finira en louange. Tu vois même, il a même changé de message. Parce que ça... Non, frère. Ça finira en louange. Mais tout dépend de toi. En fait, les gens croient qu'on a dit ça finira en louange, ça va tomber du ciel, frère. Tout dépend de toi. Passe à l'action. Passe à l'action. Parfois, la louange, il faut la créer. Il faut que Dieu te donne une raison de le louer. Je crois à des réalités plus élevé. Je ne sais pas quel projet tu as. Je ne sais pas ce que tu voulais accomplir. Je ne sais pas si tu es du coup rentré dans une forme de contentement. Vous savez, il y a des choses, c'est pas que... En fait, tu te dis, non, mais moi, c'est bon, je suis bien. T'es pas bien, si tu crois pas, en fait. Tu crois pas. Donc, tu es rentré dans une forme de contentement. Donc, comme Dieu va pas le faire, je me dis, je suis bien. J'ai pas eu ce que je voulais, mais bon. Dieu est Dieu. Dieu est capable. Il faut que la liste des personnes qui ont témoigné ici s'allonge. Est-ce que vous voyez la joie quand les gens témoignent? Moi, j'avais aussi envie d'avoir pas d'école pour voir ce que ça fait d'avoir une école. J'avais envie de... Des fois, j'ai envie de voir, mais qu'est-ce que ça fait quand Dieu agit? Je pense que ta louange est autrement. Je pense. David, Gédéon ou Moïse? Dieu est capable de tout et en tout temps. Et rien ne peut s'opposer à sa puissance. Mais est-ce que tu es prêt à rentrer dans le plan de Dieu? Je peux le dire, parfois aussi, ça ne vient pas parce qu'on est dans notre plan.
Moi, cette semaine, j'ai eu l'honnêteté de le reconnaître. Parfois, tu es dans ton plan. Ce n'est pas parce que ça marche que tu es dans le plan. Parfois, ça marche, mais tu n'as pas la paix. Seigneur, je vais entrer dans le plan. Ce matin, j'aimerais que nous puissions prier ensemble. Et après quoi, nous allons adorer Dieu et lui dire, Seigneur, je vais entrer dans ton plan. C'est l'heure, mais c'est l'heure d'entrer dans ton plan. Je ne sais pas ce que tu voulais accomplir, ce que tu voulais faire, mais la grâce de Dieu est disponible. La grâce de Dieu est disponible. Je veux demander, si toi, tu t'es reconnu dans une catégorie, lève la main là où tu es. On va prier ensemble. Lève la main. Lève la main. Je veux voir que Dieu voie ta main. Je veux voir ta main. C'est possible que tu redémarres spirituellement. C'est possible qu'un miracle se produise. C'est possible, je ne sais pas dans quelle catégorie tu es. Toi qui as levé la main, lève-toi là où tu es. Lève-toi. 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 Augmente ta foi. Vois ton miracle. Imagine ton miracle maintenant. Toi qui t'es levé, tu vas répéter avec moi. Nous tous, l'assemblée, nous les aidons à répéter. Jésus! Non, plus fort que ça. Jésus! J'ai écouté ta parole. J'ai écouté ta parole. Tu as vu mon cœur. Tu as vu mon état. Et tu es venu redémarrer ma foi. Tu es venu reconnecter ma foi. Saint-Esprit, dis le plus fort. Saint-Esprit, je crois en toi. Je crois en toi. Je crois que tu peux le faire. Je crois que tu vas le faire. Augmente ma foi. 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 Lève bien les mains vers le ciel. Jésus, je sens la gloire. Jésus, lorsqu'il était descendu de la montagne, il a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Je vais demander à toute l'assemblée, mettons-nous debout. Mettons-nous tous debout, s'il vous plaît. Nous allons crier sept fois, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Nous allons crier ensemble sept fois, l'Esprit du Seigneur. Il y a la foi de quelqu'un qui va redémarrer tout de suite. Ça va être terrible. Nous allons crier sept fois, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Je veux que ton cri casse le mur. Il ne nous reste pas beaucoup de temps. Je veux que ton cri casse le mur. Allons-y. L'Esprit du Seigneur est sur moi. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Chalaba, augmente ta foi. Librato koboshata. Le doute laisse la place à l'Esprit du Seigneur. Mon Dieu, mon roi. Je vois l'impossibilité se changer en possibilité tout de suite. Je suis en train de voir fortement dans mon esprit. Est-ce qu'on peut crier pour la quatrième fois? L'Esprit du Seigneur est sur moi. Augmente ta foi plus haut. Augmente ta foi plus haut. Il est possible que tu sortes déjà ce matin de ce lieu avec un miracle. Il est possible que tu sortes déjà ce matin de ce lieu, oh mon Dieu, avec ton miracle. Tout dépend de ta sensibilité.
La la babo kabala bakando robo sheke. Libre sakata la baba baba. Le Seigneur est en train de me dire qu'il va sélectionner des David. Il va se sélectionner des David. Des personnes qui ont, des personnes qu'il a cachées. Maintenant, il veut qu'il se montre. Il va sélectionner des Gédéons maintenant. Des personnes.